Les prochains artistes que je veux vous présenter proposent un spectacle très belge et même wallon. Avec toute une série d'instruments à hanches, comme l'accordéon, la cornemuse ou la bombarde, mais aussi avec des instruments sans hanches, le violon trompette ou encore la voix. Raquel et Marc vous invitent à visiter avec tendresse et humilité les chaumières de nos grands-parents. Et grâce à un répertoire très européen et même wallon, ces deux passionnés vous transmettront peut-être l'envie de danser et qui sait, peut-être de danser des danses wallonnes. Des petites, des grandes, des doubles, des simples, des libres, enfin tout ça, tous les types de danches. D'où vient la cornemuse? Eh ben, y a pas, hein, ça n'échappe pas à l'Écosse. Mais c'est au départ un instrument qui nous viendrait d'Inde, que les armées de Jules César auraient amené chez nous en Europe, etc. Et puis ça a essaimé partout en Europe et c'est resté là-bas, mais chacun l'a adapté. Donc expliquer un peu cette méconnaissance et faire découvrir cette musique que nous trouvons vraiment très dynamique et jolie. Traditionnelle d'Europe. On fait un voyage en Europe à travers les traditions. Qu'il y aura de la musique de chez nous. De chez nous, en tout cas. Tu as collecté. Moi, je suis occupée aussi avec la musique wallonne. Ici, elle est en train d'enregistrer un CD sur rien que avec de la rien musique, que de, la de, musique Wallonie. De Wallonie. Donc, parce que les gens ne connaissent pas, n'ont pas vraiment l'identité de leur pays. L'essence même de musique traditionnelle, c'est transmission. C'est une musique qui existe depuis toujours, enfin depuis longtemps. Donc il y a une transmission. Et nous, nous aimons ces musiques-là parce que nous aimons la faire vivre toujours, qu'elle évolue, elle est en perpétuelle évolution. Je crois que la tradition n'est pas une chose chiante. Hein. Tout le monde croit que c'est un peu des vieux bazars. Et c'est des vieux bazars, effectivement. C'est des ils vieux viennent bazars. De lointain. Mais quand on sait à quoi ils servaient, à danser tel truc, tout ça, c'est, ah, c'est vivant, quoi, ça bouge. On est tous de passage pour transmettre ce que les autres qui sont passés avant nous nous ont laissé. C'est très existentiel. Hein. Attention, on n'est pas... On est léger. L'ancêtre de la clarinette. On jouait ce genre d'instrument très simple, avec cette fois
une hanche simple, comme toutes les clarinettes, les saxophones, etc. Et plus tard, on a rajouté des tas de clés pour pouvoir jouer les machins de M. Beethoven, de Mozart, etc. Mais au départ, c'était donc très simple comme ça, le clarino.